c'est trop tôt? Comment ça, c'est pas encore Noël? C'est jamais trop tôt pour les calendriers! Hello mes fleurs, j'espère que vous allez bien. Je suis surexcitée, on ne me tient plus puisque ça y est, la saison des calendriers de l'Avent reprend. Alors, oui, c'est beaucoup trop tôt? Non. Ce n'est pas encore Noël, mais vous allez avoir besoin de ces vidéos pour choisir vos calendriers de l'Avent, pour les acheter en avance, puisque chaque année c'est la même chose, il y a peu de stock pour certaines marques et du coup vous êtes nombreuses à être déçues. Donc je m'y prends tôt de façon à vous dévoiler le contenu intégral de certains calendriers de l'Avent. Dans cette vidéo vous allez donc être spoilés. Donc cette vidéo est faite si tu ne veux pas acheter le calendrier de l'Avent The Body Shop, si tu veux l'acheter et savoir ce qu'il y a dedans pour ne pas être déçu, ou si comme moi tu n'as pas de mémoire, donc même en regardant la vidéo tu auras oublié dans 3 jours, donc ce n'est pas très grave. C'est parti! Cette année encore, la marque propose 3 calendriers de l'Avent différents. Donc j'ai avec moi le modèle intermédiaire qui coûte 85€ et qui renferme une valeur de 150€ de produits. Il y a un modèle moins cher vendu 50€ qui renferme 102€ de produits. Et un modèle plus cher, oui je sais, j'ai l'anti-sèche, mais je peux pas moi retenir tous ces chiffres. Donc vous me pardonnerez s'il vous plaît. Un modèle plus cher qui coûte 120€ mais qui renferme 299€ de produits. Je trouve que le design de ce calendrier de l'Avent est absolument magnifique. J'aime beaucoup lorsque les calendriers sont très noéliques, comme dirait Hélène, mon blog de fille. Voilà, on peut les mettre dans la déco, sous le sapin, et c'est vraiment très très joli. Donc il se présente comme ceci et à l'intérieur on retrouve des boîtes qui renferment chacun un produit, chacune les boîtes. Donc je vais le laisser là parce qu'il est très lourd, de façon à piocher les boîtes. En me baladant sur le site, j'ai découvert que ce calendrier mettait à l'honneur les femmes qui avaient marqué leur histoire. Donc je pense que sur chaque boîte il y a une petite histoire de femme inspirante pour être inspirée. Et je trouve que l'idée est vraiment chouette. Sans plus attendre, c'est parti pour l'ouverture. Donc on va prendre la numéro 1 qui est juste ici. C'est une petite boîte avec une fille, jeune fille astronaute. Donc elle se présente comme ça. Je pense que je vais pas faire le détail de chaque boîte, sinon cette vidéo va durer une éternité. Donc il y a en effet un petit texte en anglais d'un côté et en français de l'autre. Et comme c'est la première, on va la lire. Les recherches pionnières de la scientifique franco-polonaise Marie Curie sur la radioactivité l'ont amenée à devenir la première femme à remporter un prix Nobel et la première personne à le remporter 2 fois pour 2 sciences différentes. Donc je trouve ça hyper chouette comme... comme principe, mais comme je vous dis, pour que la vidéo ne dure pas une éternité, on ne les lira pas tous, ou toutes les boîtes ou tous les textes, bref, vous avez compris, j'en peux plus, j'ai trop hâte, allez c'est parti. Dans la première boîte, je découvre une brume visage rose Dewy Glow que je ne connais pas. Alors je dois avouer que je connais assez peu finalement de produits The Body Shop. Vous me demandez chaque année de vous présenter le calendrier, donc je suis très très heureuse de pouvoir le faire cette année. Encore merci à la marque de me l'avoir envoyé. Et ça va me permettre aussi de découvrir davantage les produits et de vous en reparler ultérieurement sur YouTube ou sur le blog. Donc je suis ravie. Cette petite brume de visage me tente ma foi tout à fait. Elle hydrate et illumine pour voilà, toute la journée et pour parfaire aussi le make-up. Je pense que ça doit sentir... Ouais, ça sent hyper bon. Ça sent les fleurs, la rose. Je valide. Dans la deuxième boîte, qu'avons-nous ? Quelque chose pour le bain. Il s'agit d'une boule de bain, donc d'un bonbon effervescent comme ceci à la mangue. Et bien écoutez, pourquoi pas, moi je suis une folle des bains. Donc oh là là, ça sent hyper bon. Ça vient de parfumer l'atmosphère en 2 secondes. Donc ça, oui, très bien aussi. Dans la numéro 3 qui est très mignonne, nous avons... un petit gel douche Juicy Pear, donc à la poire. Ça doit sentir hyper bon. Mmh, oh là là, ça sent hyper bon. Ça sent la poire sucrée, le dessert. La poire Belle Hélène, c'est l'un de mes desserts préférés, donc je serais capable d'en manger. Et je pense que c'est l'une des 2 senteurs de Noël. À l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore découvert la collection de Noël. Mais à l'heure où la vidéo sortira, je pense que je serai au parfum.
Et ça, je suis hyper contente. Je trouve ça très chouette de retrouver les collections limitées dans le calendrier. Donc super. D'autant plus que pour emporter partout avec soi, le format est top top top. Alors, number 4. Alors nous avons ici une lime à ongles. Je pense que avec les années qui défilent, vous savez ce que je pense des goodies. Maintenant, une lime à ongles, on en a toujours besoin. Et s'il n'y a pas trop de goodies dans les calendriers, ça ne me dérange pas. Et celle-ci est plutôt jolie à dire vrai. Elle est orange d'un côté et turquoise de l'autre, je vais y arriver, donc pourquoi pas, à voir si le calendrier ne cache pas trop de surprises de ce genre. La boîte numéro 5 est assez grosse, on va voir ce qu'elle renferme. Nous avons un démaquillant doux pour les yeux à la camomille. Je crois que j'ai déjà testé ce produit là lorsque je vivais en Angleterre, puisque la marque The Body Shop est très présente en Angleterre. Et il me semble que je l'avais bien aimé parce qu'il est recommandé pour les peaux sensibles. Donc écoutez, je vais le retester, mais je trouve ça sympa d'avoir ça dans le calendrier. 6. Bon bah le 6 avait très envie de venir avec moi, donc la boîte est très jolie, c'est une mère Noël. Et cette fois-ci c'est un shampoing, génial, je n'ai jamais testé les shampoings The Body Shop. Et c'est à la fraise, donc il se présente comme ceci. Et cette fois-ci on a un plus gros format de 250 ml, voyons voir. Ça sent un peu le chimique quand même. Mais il faut voir, si je suis d'humeur à l'utiliser, ça peut. Je vois qu'il n'y a pas de silicone, en revanche je ne connais absolument pas la composition des produits cheveux de chez The Body Shop. Donc si jamais vous connaissez, dites-moi en commentaire et sinon je testerai pour vous et je vous en redonnerai des nouvelles. Dans la 7ème boîte qui se présente comme ça, nous avons un beurre corporel, donc en format voyage de 50 ml, qui est à la senteur Fuji Green Tea, que je connais aussi, qui sent hyper bon. Ça sent le frais, ça sent vraiment le thé vert, hein, c'est comme son nom l'indique. Mais voilà, si vous aimez toutes les odeurs un peu peps, un peu rafraîchissantes comme le citron, je pense que cette senteur là pourrait vous plaire. Et encore une fois, le format est idéal pour les week-ends ou pour pouvoir tester plusieurs petits produits. Donc très chouette. Dans la 8ème boîte, nous avons un nouveau gel douche, donc cette fois-ci c'est British Rose en format 60 ml, qui doit sentir comme la brume j'imagine. Ah non, non, c'est une odeur qui est un peu plus poivrée. Je pense que cette rose là pourrait plaire aussi aux messieurs, et moi je suis une inconditionnelle de la rose, donc ça me fait toujours plaisir. Une autre petite boîte plate pour la 9, dans laquelle se cache une crème pour les mains. Oui, une crème pour les mains Warm Vanilla, et je pense que c'est aussi l'une des senteurs de Noël. Bah ça, on en a toujours besoin. J'ai utilisé pendant des années celle de The Body Shop et je les aime beaucoup. Donc oui, très bien. Je pense qu'en plus celle-ci est un full size, et voilà, je valide. On arrive à la 10ème boîte et nous avons un nouveau goodie, puisqu'il s'agit cette fois-ci d'une fleur de douche. Alors elle a l'air minuscule, je pense que oui, je pense que c'est un tout petit modèle. J'ai l'habitude d'utiliser des fleurs de douche à la maison, mais elles sont quand même beaucoup plus grosses. Bon, ça, je pense que ça ne va pas emballer grand monde, mais bon. Voilà, à voir encore une fois combien de goodies il y aura dans le calendrier. Pour l'instant on est déjà à 2 sur 10 cases, donc c'est quand même pas mal. De nouveau une petite boîte plate, assez légère. Ça a l'air d'être un masque tissu calmant de la gamme Aloe. Et bien écoutez, je ne savais même pas que The Body Shop proposait des masques tissus. Donc je suis très contente de découvrir. J'avais écrit sur le blog il y a des années, je pense que c'est probablement l'année de l'ouverture du blog, donc vous avez qu'à imaginer, un article sur la gamme Aloe. Je vous le mettrai en barre d'infos, mais c'est vraiment une gamme que j'avais adorée. Si vous avez la peau sensible, si vous avez des rougeurs, etc., je vous la conseille à 100%, et je suis très contente
de découvrir ce petit masque tissu. Pour la 12e boîte, nous avons un petit Christmas pudding et à l'intérieur, ça a l'air d'être un gommage. Gommage, oui, c'est ça, à la noix de coco. Donc de nouveau dans un format voyage, les gommages de la marque sont très très bien. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez aller les découvrir. Alors tout comme les gels douche et les crèmes pour les mains, ils ont un nombre de senteurs incalculable. Et je sais plus si je vous l'ai dit, là on a un format de 50 ml, donc très très bien. On arrive à la moitié du calendrier avec la 13e boîte dans laquelle se trouve de nouveau un petit thé effervescent de bain. Et cette fois-ci au thé vert, qui sent aussi très bon. C'est trop mignon, en plus on dirait des petits bonbons, j'aime trop. On continue avec la 14e boîte, dans laquelle se trouve un produit lèvres. Il s'agit d'un beurre à lèvres. Est-ce qu'il y a un numéro ou une senteur? Oui, strawberry, donc de nouveau à la fraise. Je crois que je ne les connais pas ceux-là, donc très chouette. En tout cas pour l'instant, je trouve qu'on a une très belle diversité de produits. Il y a un peu de tout, de tous les parfums, de tous les types de produits. Donc ça c'est vraiment chouette. Et on passe à la 15. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la numéro 15, mais c'est très lourd. Peut-être un savon. Et c'est un savon purifiant pour le visage au charbon. Super. Je connais pas du tout. Et en plus, ça, l'amoureux et moi pourrons l'utiliser tous les deux. Donc très chouette. Ça sent assez bon. Ça sent même très bon. Ça sent vraiment une odeur naturelle. Si vous avez l'habitude d'utiliser des produits bio, voilà, ça sent le produit bio naturel, j'aime beaucoup. Et cette fois-ci c'est un 100 grammes, donc je pense qu'on est sur un format full size. Le numéro 16 est demandé l'accueil ici. Dans la boîte numéro 16, nous avons un nouveau beurre corporel, je dirais. Oui, beurre corps éclat immédiat à la British Rose. Et si j'ai bonne mémoire, on a eu le petit gel douche tout à l'heure. Et ça, j'aime trop assortir mon gel douche à mon beurre corporel. Donc je suis ravie. Et de nouveau, format miniature de 50 ml. 17, petite boîte plate. Aïe 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 aïe, ça sent le goodie. Ah non, c'est un deuxième masque pour le visage. Cette fois-ci, c'est à la gamme, enfin c'est à la vitamine C, masque tissu éclat. Je ne connais pas du tout cette gamme, donc je suis contente de découvrir. C'est sympa, je trouve, d'avoir des masques en tissu comme ça. Et puis en plus, d'en avoir deux, ça veut dire qu'on peut le faire soit avec son amoureux ou de façon plus probable avec une copine, donc très chouette. La 18 est une très grosse boîte et très lourde, donc peut-être est-ce de nouveau un produit cheveux. Et tout à fait, j'ai du nez. Il s'agit de l'après-shampoing de la même gamme que tout à l'heure à la fraise. Donc là encore, je trouve que c'est très malin de la part de la marque de mettre le shampoing et l'après-shampoing de la même gamme. Ça permet vraiment de tester les produits, une senteur, et puis de racheter soit celle-ci si elle nous a plu, soit une autre pour découvrir. Donc ça, très très cool. Dans la 19e boîte, ça sent tellement bon, j'ai tellement envie de tester les produits, avec un joli bonhomme de neige, nous avons cette fois-ci un petit lait corporel white musk. Alors si je ne dis pas de bêtises, c'est une gamme pour hommes, et si c'est le cas, eh bien je trouve ça très chouette de glisser un ou deux, on verra, produits pour hommes, comme ça les messieurs ne sont pas mis de côté, et voilà, bah, ça l'amoureux testera. Ça va pas être évident de lui faire mettre un lait corporel, mais ça se tente, ça se tente. Dites-moi si vous, vos chéris, mettez des laits corporels, tout ça, parce que moi, on n'en est pas là. On a gagné la crème hydratante quand même pour le visage, c'est déjà bien. On est parti pour la 20e case et cette fois-ci, nous retrouvons un petit effervescent de bain à la saveur vanille. À la saveur, oui, ça se mange. À la senteur Vanilla Delight. Et de nouveau, ça sent très très fort la vanille, enfin l'odeur se propage énormément. J'ai hâte de voir ce que ça donne dans le bain pour voir si c'est uniquement parfumé ou s'il y a des couleurs, voilà, hâte. On continue avec la boîte 21 et cette fois-ci, ah, une nouvelle crème pour les mains. Oui, à la senteur Pink Grapefruit, donc c'est pamplemousse. Et celle-ci, je la connais très bien puisque je l'achetais souvent et je l'aime beaucoup.
Ça sent quand même la fin, hein. Je veux pas dire que ça sent le sapin, mais quand on arrive dans les vingtaines, c'est quand même la fin du calendrier. Pour cette 22e boîte, nous avons de nouveau un produit de la gamme Aloé. C'est la crème de jour apaisante, génial, on n'en avait pas eu encore dans le calendrier. Et c'est un joli format de 50 ml, donc ça permet de bien tester. Trop cool. Ouh, ça sent le goodie, je vous le dis. Ah non, une éponge à maquillage, je ne savais même pas que The Body Shop en proposait. Et ben, je suis un peu sur les fesses, trop bien. Trop bien, je suis contente d'avoir ça dans le calendrier. D'ailleurs, il n'y a pas du tout de make-up, peut-être pour la dernière case, on verra. Si, il y a eu le petit baume teinté pour les lèvres. Mais très chouette d'avoir ça, donc je la testerai et je vous en donnerai des nouvelles parce que j'avoue que pour l'instant, je suis quand même pas mal attachée à mon Beauty Blender, mais très très contente de pouvoir tester celle de The Body Shop. La 24 est juste au-dessus. Oula! Ça bouge. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, bah voilà. Quand on en demande, ça arrive. Nous avons cette fois-ci un produit de make-up. C'est le Shine Lip Liquid en 8 ml. Donc je pense que c'est un full size. Argan, jojoba et marula oil. Donc ça veut dire que ça va être bien hydratant. Et ça, c'est top. Et la teinte, c'est la 04 Cherry Gum. Ça a l'air d'être un joli rouge orangé. J'adore ce genre de teinte. Donc très très chouette. Et puis je connais très peu le maquillage de la marque. Je crois que j'ai testé un bronzer et un vernis à ongles peut-être. Mais très très chouette. C'est la fin. On arrive à la dernière case du calendrier. Roulement de tambour s'il vous plaît, c'est très lourd, alors je ne sais pas ce qu'on va avoir. J'aimerais avoir encore un peu de make-up si je pouvais choisir, mais ça me semble très lourd pour être du make-up. Ah ok, c'est un full size du beurre corps nourrissant au karité qui est un produit best-seller chez The Body Shop, donc c'est très chouette. Super d'avoir un full size. Maintenant, je pense que j'aurais préféré avoir l'une des senteurs de Noël pour ce dernier jour. Mais je pense quand même que c'est un bon choix de la part de la marque parce que c'est vraiment la senteur la plus classique. Et elle conviendra au plus grand nombre. Donc très très chouette d'avoir ça. Le format est de 200 ml. Donc autant vous dire que vous en avez pour un moment. Et que vous serez bien hydraté tout l'hiver. Fini! Bien voilà mes fleurs pour le contenu de ce calendrier de l'Avent The Body Shop. Honnêtement, je suis hyper agréablement surprise, hyper contente du contenu. Je trouve que les senteurs et les catégories de produits sont vraiment variées. Du côté des goodies, on a eu simplement la lime à ongles et la fleur de douche, donc je trouve que c'est très raisonnable. Et je pense que c'est un calendrier de l'Avent que j'aurais pu acheter et pour lequel j'aurais été complètement satisfaite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ce que vous avez prévu d'acheter comme calendrier de l'Avent de cette année, quels sont les produits de ce calendrier que vous préférez ou que vous avez déjà testé. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Et quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao !